Bonjour, je suis Alan Rich, je suis en voyage missionnaire actuellement. Nous sommes en mai 2010, en voyage missionnaire au Québec, au Canada, pour 2 mois jusqu'à fin juin. Et ceci est la vidéo du résumé des activités de ce voyage. Donc tous les vendredis de mai et juin 2010, j'étais au café Le Vase Restauré à Montréal, où de 6h à 7h, 7h30, je faisais le consoling, la prière, la délivrance. Et ensuite, je faisais 15 minutes avant les concerts une rubrique sur différents thèmes dont vous pouvez trouver les vidéos sur centre-partage.com. J'ai aussi pu continuer à faire ma ligne d'aide en ligne, évidemment, que vous pouvez trouver aussi sur mon site. J'ai fait le tour de plusieurs églises au Québec, à Montréal, Grand Bay, à Sherbrooke. Je suis allé aussi à Ottawa voir des personnes. Et ça s'est bien, très très bien passé. Vraiment, il y a eu des conversions, des guérisons, des miracles. Là, j'étais à Drummondville, dans un centre de réhabilitation. Nous avons fait aussi à Longueuil, tous les dimanches soirs, des réunions d'évangélisation où des choses se sont passées. Là aussi, cette fille, cette sœur a été guérie de l'oreille, de ses pieds. Eux aussi ont été guéris de la colonne vertébrale, l'autre de problèmes émotionnels. Et vous pouvez voir toutes ces vidéos sur le site Centre Partage. Je vous laisse regarder le panorama de photos. Là, je suis avec différents pasteurs, Fernand Saint-Louis, l'équipe de Saint-Hyacinthe, pasteur Pinard, un frère qui a demandé la prière, l'ancienne voyante Ginette Veilleux, le pasteur Martin avec la sœur Nathalie, le frère Saint-Pierre, ici avec le pasteur Cadoret, avec la sœur Bette qui m'a aidé dans les prières de délivrance. Donc nous avons fait différentes réunions dans différents lieux. Ici le frère Théodore est à bout. Et nous avons pu toucher beaucoup de personnes. Là avec le frère Stéphane, avec Patrice. Vous pouvez voir toutes ces vidéos complètes sur le site Sentir et Partage avec Guy Le Monde, ici au centre du Café Restauré avec Gilles Bellavance, l'équipe de Grand Bay, à Grand Bay également, avec Pasteur Gitane Maltais et Alain, avec l'équipe Maranatha, ici avec la pasteur aussi. Gilles Bellavance, l'évangéliste Sylvain Joly. Nous étions à l'église Bethany, l'église sur Sainte-Catherine. Avec les frères Théodore, Eva et Abou. Ici, nous sommes allés voir donc Henri Provincher pour le cas de la disparition de Cédrica. Vous verrez les vidéos. Nous avons fait une vidéo spéciale où nous parlons de ce cas et du pourquoi nous parlons d'elle. Vous pouvez voir ça sur la vidéo de témoignage de Ginette Veilleux, là avec le pasteur Cadoret. Un écureuil apparemment. 2 sœurs qui ont été baptisées, vous pouvez voir à la fin de cette vidéo. Donc j'ai rencontré les écureuils qui confondent un biscuit avec mon pouce, apparemment.
Donc ils sont beaucoup plus amicaux qu'en France. Là aussi, cette mésange qui vient manger. Là, c'est un extrait de la vidéo où donc l'ancienne voyante détruit toutes ces choses selon la Bible. Nous avons fait aussi cet extrait qui va être un DVD sur les dangers du yoga. Là, une sœur est venue des États-Unis, 2 jours de route pour nous voir, juste pour un jour. Plusieurs personnes ont fait 6 heures de route pour venir. Et là, nous voyons les deux baptisés de cette mission. Donc je vous remercie de votre attention et je vous attends sur centre-partage.com pour voir toutes les vidéos. Bye bye.